autant dans la copie machine. Il a été tué après concertation. Donc, il y a une planification dans ce que nous vivons. Malheureusement, nous, on ne réclame rien par rapport à ce que nous subissons. Mais lorsqu'on détruit, en fait, tous les symboles d'un pays, d'une communauté, d'une famille, les pères les plus pères, puisque lorsque vous cœur de votre femme, en fait, vous finissez à dire, c'est la fin, vous ne pouvez plus dire à votre femme, je suis le mari, je suis la tête de la famille. Ça, ça se termine. Les enfants qui ont toujours cru dans leur père, lorsqu'ils voient leur père humilié par un autre homme, ces enfants, la relation père-enfant, cette identité-là, est complètement détruite. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui perdent leur identité, ça peut être par le jeu, mais ça peut être aussi par le père, la perte de votre capacité économique, ça peut être par la perte, vous avez fait étudier les enfants, vous avez 6 enfants qui ont des diplômes universitaires, et du coup ces enfants, ils sont tous à la maison, vous ne pouvez pas leur donner du travail, et comment ces enfants commencent à vous poser même la question de savoir, vous êtes quel type de papa à l'école primaire. On voit des enfants qu'on chasse à l'école puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école, et que les parents commencent à se cacher puisque tout simplement, ils ont perdu l'identité des pères, des papas, le respect qu'ils doivent. Et lorsque ça atteint beaucoup de gens dans une communauté, ça entraîne tout simplement une perte d'identité communautaire. Et je dois dire qu'ici, nous avons un phénomène supplémentaire, c'est que tous les enfants qui naissent issus du viol, ces enfants, malheureusement, ils sont dans notre communauté, ils n'ont pas de filiation, ce sont des enfants qu'on appelle, on les appelle Guadimaï, enfants serpents, enfants littéraux, etc. Mais honorable député, c'est un danger. Nous sommes assis sur une bombe, puisque le fait que ces enfants sont exclus, ça contribue à détruire le tissu social de notre société. Et le jour où ces enfants viennent, nous avons des garçons qui sont nés à France qui aujourd'hui ont 17 ans. Et ces enfants, un jour, ils pourront poser la question. Nous sommes qui? Des députés ici de Chabunda, je vois le confrère Timothée. Vous rappelez, c'était je crois en 2003 ou 2004, où nous étions appelés à Chabunda, puisqu'il y avait 3000 enfants, n'est-ce pas, qui, la communauté voulait les rapatrier au Rwanda. Mais comment rapatrier les enfants au Rwanda? Ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne. Et c'était la condition que la communauté nous avait posée pour que nous puissions récupérer nos épouses. D'abord que ces enfants de malédiction partent au Rwanda. Ces enfants aujourd'hui, ils ont 17 ans. Qu'est-ce que vous en faites? Sont-ils des Chabunda? Ne sont-ils pas des Chabunda? Et selon la loi commandante, ils sont des Congolais. Et qu'est-ce qu'on en fait? Si on continue à les discriminer, ça veut dire qu'un jour, ils vont prendre les armes contre nous et ils vont être un danger pour toute la population. Donc vous comprenez très bien que notre tissu social n'est pas détruit par hasard. Et vous pouvez maintenant observer qu'est-ce que ça donne le fait que notre tissu social est détruit. C'est qu'il y a une perte de la cohésion sociale. Si vous voulez voir là où il n'y a aucune cohésion sociale, venez ici, dans la province de Chibou, venez tout simplement à Bukavu, regardez comment les gens réagissent. Vous allez tout simplement comprendre que si l'honorable X dit que nous allons construire la route Y, l'honorable Z va dire non, sans raison, et il va s'opposer sans raison. Il y a une perte de cohésion sociale qui est une terrible, en fait, situation dans laquelle nous vivons, où les gens ne sont plus capables de se mettre ensemble comme une société et construire quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Et en fait, lorsqu'on est dans la perte de la cohésion sociale, qu'est-ce qui arrive? On est tout simplement dans une incapacité organisationnelle. Vous pouvez avoir 1,5 million dans la ville de Bukavu. Si tous les autres sont dans la pauvreté, si tous les autres sont, ils se manquent effectivement des égouts, de la route, de l'évacuation de l'eau, etc., avec votre 1 million,
vous êtes aussi pauvre que celui qui n'a rien. Puisque de toute façon, vous allez baigner dans les matières fécales, vous allez manquer de route, même si vous avez un ramener, vous ne saurez pas conduire ces véhicules. Donc, lorsqu'on est dans les capacités territoriales, les capacités organisationnelles, on est même incapable de protéger nos frontières. Nos matières premières traversent les lacs ici au grand jour. Et nous tous, nous voyons, nous ne sommes même pas capables de protester. Nous ne sommes même pas capables de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi à chaque jour, à 22h sur le 8 ici, on voit des camions qui viennent, qui débarquent, qui déchargent dans les bateaux, et les bateaux vont de l'autre côté. Chers amis, ça c'est une capacité organisationnelle. Lorsqu'on n'est pas capable de s'organiser, eh bien, du coup, l'occupation territoriale, c'est fait en douce. On n'avait pas besoin de nous aider. C'est nous-mêmes qui travaillons pour que cette occupation territoriale devienne effective. Alors donc vous voyez que avec ces quatre impacts, on a la même chose. Lorsqu'on fait une guerre classique avec les armes classiques, l'objectif c'est de pouvoir occuper l'autre, les dominer économiquement, les dominer socialement, les dominer politiquement, etc. Et c'est là où nous sommes en utilisant une arme qui ne tue pas directement, mais qui vous déstabilise complètement sur le plan mental, et ceci, ça s'est fait à long terme. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire assez rapidement? À l'hôpital de Pandi, à la Fondation Pandi, nous avons mis en place ce que nous appelons le modèle holistique de Pansy, au One Stop Center en guichet unique, où nous pensons que suite à toutes les difficultés que les femmes ont de pouvoir dire ce qui leur est arrivé, nous avons créé ce modèle qui permet à ce que la femme puisse trouver des solutions à un même endroit sans pouvoir se déplacer à plusieurs endroits. Et là, je vais aller très rapidement. Pour la prise en charge médicale, ce que nous essayons de faire, nous essayons d'intégrer la santé de la reproduction dans la prise en charge donc des victimes de violences sexuelles, pour qu'une femme dans tous nos hôpitaux, ça serait idéal que dans la province du Sud-Kivu, lorsqu'une femme se présente, puisqu'elle a été victime de viol dans une structure sanitaire, qu'elle puisse bénéficier de tous les traitements médicaux, y compris la santé de la reproduction. Ici, je vous reprends la liste qu'on peut avoir dans le centre de santé en termes de santé de la reproduction. Sur cette liste, il faut ajouter la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et ceci évite à ce qu'il y ait en fait une stigmatisation. On ne va pas créer des cliniques spécifiques pour les violences sexuelles, mais avoir plutôt nos hôpitaux qui permettent à ce qu'une personne qui a été victime de violences sexuelles ait la possibilité de pouvoir se présenter dans cet hôpital. Et j'encourage les honorables députés d'exiger à ce que dans vos circonscriptions électorales, on ait des centres de prise en charge holistique en One Stop Center, puisque vous allez voir que ce n'est pas seulement médical, mais il faut reconstruire tout ce qui a été détruit, et pour le reconstruire, il faut avoir quand même un endroit pour pouvoir le faire. Assez rapidement, je vous montre ce que nous faisons, donc sur le plan clinique et paraclinique. Normalement, lorsque les femmes arrivent, nous faisons la prévention des grossesses non désirées après viol, nous faisons la prévention des infections sexuellement transmissibles, mais également le VIH, que nous faisons la prévention, mais à condition que les femmes arrivent en ayant 72 heures après avoir été violées. Mais aussi nous faisons la chirurgie des lésions urinaires et digestives basses, puisque comme je vous avais dit, lorsque les femmes sont violées des enfants, avec une extrême violence, on a besoin de réparer
les organes génitaux, mais tout ceci nécessite à ce que ça puisse se faire dans les 72 heures. Après 72 heures, normalement, la prise en charge est complètement différente. La prise en charge chirurgicale chez les enfants, ici je vous présente, c'est un enfant qui avait 2 ans lorsqu'il a été violé, et vous pouvez voir comment son périnée a été complètement donc éclaté. Et à force de traiter ces femmes, c'est ces petits enfants qui sont violés entre 6 mois, je vous ai dit, et 5 ans. On a observé qu'à cet âge-là, lorsque l'enfant est violé par un adulte, malheureusement, son périnée, donc son vagin, son rectum, sa vessie, peuvent éclater et ça donne à ce que l'enfant devient incontinent, urinaire et fécal. Ceci nous a amené. Ceci nous a amené à faire une publication sur d'abord la classification, puisqu'il fallait classifier ces lésions, donc classification des lésions génitales urinaires et digestives basses après traumatisme chez les filles de moins de 5 ans. Et cette classification nous a permis en fait de faire une classification des 5 types. Il y a 5 types de lésions que vous pouvez observer. Lorsque un enfant de moins de 5 ans est violé par un adulte, et ça part donc des abrasions simples, donc on a juste des petites lésions autour, parfois ça peut atteindre même, mais ici, c'est que la petite a eu peut-être la chance que son bras s'est rétracté avant de détruire. Mais quand vous voyez là, ça ce sont les filles, c'est des lésions de type 2. Et lorsqu'on a des lésions de type 2, ça veut dire que tout simplement, tous les muscles, toute la peau est éclatée et souvent, les filles arrivent à notre clinique avec l'air périnée complètement ouvert. Ça, c'est le type 2. Sur le type 3, là, j'ai pris une lésion. Le gouverneur de province ici représenté. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, distingués invités, à vos titres et qualités. En m'adressant pour la première fois, chers élus et représentants de notre population, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à l'honorable président de l'Assemblée provinciale, membre du bureau et aux honorables députés du CIVU pour cette importante initiative d'échange au sujet de l'utilisation du viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Je salue la présence dans ces prestigieux hémicycle de la représentante du gouverneur de la province du Sud-Kivu, une présence qui illustre son attention à la cause des victimes et des survivantes des violences sexuelles. Je salue également la présence des distingués invités et de tous, mesdames et messieurs, qui êtes venu partager avec nous notre engagement contre les violences sexuelles, notre engagement pour la justice et la paix durable dans notre pays et dans la région des Grands Lacs africains. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, depuis plus de 2 décennies, la population de notre pays et de notre province paye un lourd tribut aux guerres et aux conflits interminables qui leur sont imposés. Depuis plus de 20 ans, des massacres et des assassinats endeuillent nos villages et nos villes. Depuis plus de 20 ans, des femmes, des enfants et même les hommes de notre province subissent des viols avec extrême violence commis pour la très grande majorité dans une totale impunité. Depuis plus de 20 ans,
à l'hôpital des Pentes et à la Fondation, pendant que nous prenons en charge les survivantes, et nous n'avons épargné aucun effort pour sensibiliser le monde sur les cruautés dont elles ont été victimes, des cruautés qui normalement devraient interpeller nos consciences et notre humanité. Hélas, nous sommes englués tous dans un faux confort et dans la peur qui nous conduise à une mort douce, mais une mort certaine. Nous devrions quitter cette vision de confort et nous rapprocher de nos populations, compatir avec eux, la protéger et construire ensemble un avenir meilleur pour les générations à l'avenir. Soyons conscients que personne ne nous libérera de l'oppression actuelle. Seul un peuple sait y mettre. Nous sommes tous redevables aux générations futures. Si nous n'agissons pas aujourd'hui pour léguer un Congo libre, prospère et pacifique, notre jugement par les générations futures sera sans appel. La défense et la promotion de notre liberté est l'affaire de nous tous. À chaque fois que nous avons eu l'opportunité, nous avons porté le plaidoyer en faveur de notre population auprès des instances décisives de notre planète afin que l'AMIDA s'engage davantage dans la sécurisation de nos populations et la pacification de notre pays. Mais dans ces actions, de l'échelle locale à l'échelle planétaire, nous sommes malheureusement forcés de reconnaître que jusqu'il y a peu, et encore, l'engagement des responsables politiques de notre pays au niveau provincial et national a souvent été des chemins manquants. Telle est la raison pour laquelle, au-delà de la solennité, la rencontre d'aujourd'hui révèle pour moi une double signification. En premier lieu, c'est l'illustration la plus significative de l'expression d'une prise de conscience par les élus de notre peuple que leur implication effective et soutenue dans la lutte contre les violences sexuelles, dans la lutte contre l'impunité et dans la construction d'une paix durable dans notre région peut tout simplement faire la différence. En second lieu, il traduit la réalité du soutien que vous êtes nombreux à m'avoir manifesté dans les circonstances de ces derniers jours et pour lesquelles je vous suis très reconnaissant. Excellences honorables, mesdames et messieurs, je me réjouis donc que cette grande première de prise en main par nos élus et nos autorités de cette épineuse question des violences sexuelles et des martyrs de notre population qui en découle se réalise ici à Bukavu. Je suis vraiment fier que ça soit ici à Bukavu. Chers députés, je suis persuadé que le grand sens des responsabilités et des leaderships dont vous faites preuve pour l'avoir à d'autres initiatives au niveau national et international pour le plus grand bien de nos populations. J'ai l'espoir que de l'exercice d'aujourd'hui naîtront des actions qui se concrétiseront et consolideront notre engagement commun en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, la justice, la réparation et la paix. C'est pourquoi, avant de revenir dans les débats sur l'importance d'une collaboration structurée et structurelle entre nos institutions, permettez-moi dès à présent de vous brosser les tableaux des violences sexuelles dans notre province et de la prise en charge des victimes telles que nous les faisons à l'hôpital de Panzi et à la Fondation Panzi depuis deux décennies. Et avant de dérouler le diapo,
il m'a été demandé de faire une présentation scientifique. Donc, je ne peux pas le faire autrement. Il faudrait que je vous présente les choses telles que je les présente à mes étudiants ou dans les conférences scientifiques. Ceci, j'espère que ça fonctionne. Donc, ceci va très bien dire que certaines de nos diapos ont des présentations qui peuvent choquer les cœurs sensibles. Donc, si quelqu'un est sensible par rapport à ce que nous allons présenter, nous demanderions tout simplement à ce que peut-être il puisse s'abstenir. Mais je ne peux pas le faire autrement. C'est une présentation scientifique, donc je la présente comme elle est. L'hôpital général de référence des Ponzi a été créé en 1999. À cette époque, comme vous pouvez vous rappeler, notre ville était en proie à des sous-occupations par les forces armées étrangères. Des femmes qui devraient quitter des quartiers périphériques comme Nianténé ou Panzi pour aller à l'hôpital général, ce n'était pas évident. Et donc, l'idée nous est venue de créer un centre où nous pouvions tout simplement offrir aux femmes une césarienne. C'est ainsi que l'hôpital de Panzi était né. À cette époque, et jusqu'à aujourd'hui malheureusement, 7 femmes meurent pour 1000 accouchements en République démocratique du Congo. C'est un chiffre qui est énorme, 7 femmes pour 1000 accouchements. Mais à la maternité, d'ailleurs, la première personne que j'avais soignée, ce n'était pas une femme qui était venue accoucher, mais c'est une femme qui avait été violée aux environs de la paroisse de Tchaï, et violée, et puis on avait tiré sur cette femme, elle s'est présentée à l'hôpital. On avait considéré cet événement comme un événement tout simplement tragique, mais qui serait circonstanciel. Mais plus tard, on a observé qu'il y a le nombre de femmes augmentées, et aujourd'hui, nous soignons à peu près 5 à 7 femmes sur le point de violence sexuelle qui nous consultent chaque jour. Et les chiffres que nous avons ici montrent très bien que 1999, nous avons déjà soigné presque, on est à ces jours, nous sommes au-delà de 60 000 femmes victimes de violences sexuelles que nous avons. Mais la chose pour laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que nous observons le nombre d'enfants mineurs victimes de viols qui augmente de façon croissante. Et je dois dire que même dernièrement avec la pandémie, le fait que les écolières ne fréquentaient pas leurs établissements, on a constaté une augmentation d'enfants mères. Je crois que nous avons accouché des filles qui ont accouché alors qu'elles avaient seulement 12 ans. Donc c'est un phénomène, ce phénomène de viol, malgré le fait que nous avons une des meilleures lois contre les femmes, à physique, était violée en une seule nuit. Et ceci, je crois que je dois attirer l'attention. On ne peut pas violer 200 femmes, ça s'est passé à Malikale, à Chabunda, ça se passe régulièrement. On ne peut pas violer 200 femmes dans un village sans qu'il y ait une planification préalable. Donc, il doit y avoir une planification et peut-être aussi la personne qui donne l'ordre. Donc, on ne peut pas les considérer comme des viols qui sont de droit commun, mais plutôt une planification qui vise à détruire une population bien déterminée. Et on a effectivement des victimes qui sont directes et des victimes qui sont indirectes. Si les femmes et les hommes qui sont violés constituent des victimes directes, mais les hommes qui voient leurs enfants, qui voient leurs épouses violées en leur présence, souvent ces hommes sont traumatisés à leur tour, même s'ils n'ont pas été personnellement violés, mais le fait d'avoir été violés devant voir les femmes violées en leur présence, en présence des enfants, et qu'ils ont été incapables de pouvoir protéger leurs épouses ou leurs enfants, souvent ces hommes développent un traumatisme psychologique assez profond
Et je dois dire que ça, c'est une question sur laquelle on ne s'est pas encore penché, mais c'est une question très importante qu'on va voir après par rapport à la destruction d'une société. Je crois qu'aujourd'hui, les députés de Wallon savent très bien que ce qui s'est passé dans les territoires de Wallon a fait une grande migration des hommes, en fait, des hommes qui fuient la honte, qui quittent leur village pour aller chercher, entre guillemets, chercher l'argent, mais en fait, c'est chercher dans le moment, ils vont se sentir encore hommes. Donc, il y a des victimes directes qui peuvent être des hommes et des femmes, mais lorsqu'il y a des personnes qui assistent à ces scènes macabres, ces personnes deviennent des victimes indirectes et on verra comment ça peut impacter l'ensemble de notre société. Ce sont des gens qui sont systématiques, car ils ne comptent pas ni l'âge, ni le sexe. Je crois que les bébés les moins âgés que nous avons traités avaient seulement 6 mois, et on peut se poser la question, sur un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'on cherche en dehors du fait de vouloir détruire. Et les femmes les plus âgées, elles avaient plus de 80 ans, elles ne savaient même pas que c'est son fils qui était venu nous rendre visite et nous a dit que sa mère devait avoir 80 ans, mais son fils avait 66 ans. Et nous avons estimé que peut-être l'âge qu'il donne est correct. Je dois me rappeler que cette vieille femme qui était violée vers Calais, quand on l'a soignée, puisqu'elle était debout dans un état de coma, quand elle s'est réveillée de son coma, la question qu'elle nous a posée, pourquoi vous m'avez soigné? On a dit, c'est votre question. Mais elle a dit, on m'a violé devant mon gendre. Et ceux qui connaissent les traditions ici, la belle-mère, être violée devant son gendre, cette belle-mère, elle a refusé tout simplement de vivre. Elle est restée à l'hôpital, elle a refusé de manger, de boire, même de prendre des médicaments. Et la suite, vous pouvez vous imaginer ce qu'a été la suite. Il n'y a pas de sexe, puisque nous avons des hommes qui subissent ces atrocités. Alors, viol comme un arme de guerre, ça n'est pas. Et peut-être que parfois, s'il n'y a pas d'engagement, c'est puisqu'on ne se rend pas compte des impacts que peuvent avoir ces viols qui se commettent auprès des populations civiles avec la stratégie que je viens de décrire. Mais ça entraîne des déplacements massifs de la population, ça entraîne la destruction de l'économie, la destruction de l'économie, mais aussi la destruction du tissu social et de la vie familiale. Et vous pouvez avoir le même impact dans une guerre classique où les gens sont tués, donc il y a une réduction de l'économie, où les gens vont fuir, puisque en fait, lorsqu'ils sont violés, ils ont tendance à chercher des endroits sécurisés et quittent leur village. Vous connaissez honorables députés, souvent les jeunes, mais on brûle non seulement les habitations de la population, mais on brûle également les récoltes. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, que ce qui se passe à Ménoué, non seulement on brûle les maisons, mais on tue aussi le bétail. Donc, je crois que lorsque des choses comme ça se passent, nous devons être attentifs et chercher quelle est la raison qui est derrière. Puisque tuer le bétail ou brûler les récoltes de pauvres populations civiles, ça veut dire tout simplement qu'il y a une action qui est derrière qu'on est en train de chercher. En fait, il y a la destruction du tissu social et de la vie familiale. Ça va du soi par rapport à ce que je viens de vous décrire. Mais on va rentrer un petit peu en profondeur pour voir le développement massif de la population, comment cela se passe. Lorsque le viol se fait en public, une mère qui était déjà installée là, une famille peut-être, elle a même des gens ou des belles filles, elle est violée publiquement devant tout le monde. Ça crée une honte, une humiliation extrême et souvent, malheureusement, ces personnes, ces femmes, sont stigmatisées par la population qui ont vécu ou qui ont appris ce qui s'est passé. Quand vous aurez des usines, vous aurez des entreprises, vous aurez besoin d'un cadre formé, vous aurez besoin de comptables, vous aurez besoin des ingénieurs. Je crains beaucoup qu'avec la formation que nous sommes en train de donner, demain ça puisse pas être un gros problème. Et là, la récupération scolaire devrait
Je pense que ça, ça serait un projet d'harmonie que le gouvernement peut faire pour sortir tous ces enfants qui sont dans les nids et les femmes qui subissent l'esclavage sexuel dans les nids. Nous avons un programme de toi pour les survivantes, qui est un programme très difficile à réaliser, mais lorsque vous voyez parfois là où vivent certaines femmes, après avoir été exclues de leur communauté, je crois qu'on ne peut pas traiter les autres d'humains comme nous lorsque on les laisse vivre dans des huttes qui sont propres pour les animaux. Et je crois que nous avons ce programme qui consiste à donner la possibilité aux femmes d'avoir un toit, et je dois vous dire que ces toits, notre expert les a construits à 2500 dollars. Il est possible de changer la vie des femmes. Il y a trois petites chambres, derrière la maison, il y a une douche et une toilette. Et souvent, ces femmes vivent dans des conditions tout simplement inhumaines. Alors, en ce qui concerne l'assistance juridique et peut-être judiciaire, nous allons en parler encore un peu plus, mais je voulais juste dire que nous essayons d'accompagner les femmes devant des juges pour, en cas de viol, lorsque les femmes le veulent. Et ça, c'est une activité que nous faisons, mais que je considère comme tout à fait locale. Nous devons aller plus loin à demander la justice, puisque je crois que notre plaidoyer doit plutôt aller vers une justice transitionnelle, et peut-être que nous pouvons en parler, pas la justice transitionnelle qu'on veut transformer à une commission vérité et réconciliation. Les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, on ne peut pas les régler en disant j'ai détruit tout votre village, j'ai tué 1000 personnes à Makobola, et donc je viens pour vous dire excusez-moi, alors qu'après Makobola, vous avez aussi tué à Beni, vous avez tué au Kassai, vous avez continué à tuer. Dire qu'on va se réconcilier, la réconciliation, oui, mais la réconciliation a des préalables. Et ce préalable, c'est que nous devons avoir une justice transitionnelle qui doit être judiciaire, mais aussi extrajudiciaire, et doit utiliser tous les mécanismes qui permettent à ce que notre population puisse enfin se réconcilier. Voilà. Et je pense que pour la prévention des violences sexuelles chez nous, nous devons absolument conscientiser la population. Nous avons l'impression que beaucoup de choses se passent, mais nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles, puisque tout simplement nous avons honte par rapport à nous-mêmes, et en fait nous laissons continuer les choses qui ne sont pas acceptables dans une société. On a besoin d'impliquer la population locale. Il faut prendre des actions, et là les actions peuvent se prendre à n'importe quel niveau. Les églises, le mouvement des femmes, la société civile. Et je pense que si nous tous, on est sensibilisés et comprendre que la violence sexuelle, c'est une menace pour notre société, c'est une menace qui est planifiée, c'est une menace qui a un impact destructeur énorme, je crois que c'est la seule façon de pouvoir y arriver. Nous devons sensibiliser également nos chefs coutumiers. J'ai de très très bonnes relations avec les chefs coutumiers du territoire du Mwanga, que je profite pour féliciter pour leurs actions, puisque ces chefs coutumiers ont utilisé notre droit coutumier pour, par exemple, transformer les viols en mousseaux. Et je pense que nous pouvons faire beaucoup, puisque si le droit coutumier chez les règles a interdit, par exemple, à ce qu'un homme voit la nudité d'une femme, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors on peut autoriser, c'est qu'on ne t'autorise pas de voir, pourquoi on peut t'autoriser de toucher? C'est encore beaucoup plus grave si vous ne pouvez pas voir et vous toucher. Et je pense qu'en discutant avec ces chefs coutumiers, on voit très bien que ailleurs, le moins cache, on cache,
ici chez les Marega, il y a des femmes qui ont aussi un pouvoir continuer assez important. Et je pense que ça sont des potentiels et des exemples que nous pouvons utiliser pour transformer notre société. Et lorsque nous parlons, par exemple, de la justice transitionnelle, on ne doit pas mettre de côté ces gens. Notre expérience, nous sommes en train de l'étendre. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes au Burkina Faso, en Nakamoténa, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes aussi à l'Irak où nous sommes en train de faire l'expansion de ces modèles logistiques. Localement, ces modèles, nous avons déjà pu l'installer à Olamba, nous avons installé également à Bléna. Donc, chers amis, vous avez vu que dans cette prise en charge logistique, c'est permettre à ce que les femmes ou la population traumatisée puissent retrouver leur autonomie, que les femmes puissent se prendre en charge et restaurer les droits et la dignité des survivantes, rétablir les communautés de lutte par le terrorisme sexuel, dénoncer la lutte contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre, et de voir des solutions, il n'y en a pas 10. Nous devons révisiter notre histoire, prenons le courage de lire notre histoire, comprendre notre histoire. Il faut que ces gens puissent répondre un jour de leurs actes. Messieurs les députés du territoire de Mwanga, à Mwanga, ça a été encore plus dur, où les femmes ont été enterrées vivantes. Si nous ne révisitons pas notre histoire par rapport à ce qui s'est passé dans le territoire de Mwanga, où nos frères et sœurs ont été massacrés. Nous réclamons que nous puissions exiger justice dans chaque fois où toutes ces atrocités se sont passées. Je vous remercie. Que vous, Excellence,
pas que c'est très important que vous veniez à leur faveur de plaidoyer afin qu'ils bénéficient aussi des moyens sécuritaires et de toute autre nature pour qu'ensemble vous faisiez, vous puissiez être encore plus efficace. L'un de notre s'évertue jusqu'à profondeur, à profondeur des traumatismes qui suscitent causés par ces crimes. Pensez-vous qu'il y a de l'espoir dans cette démarche? Et si oui, pouvez-vous commencer à en faire une nouvelle page de votre lutte? Excellence, avez-vous attendu les propos du président rwandais en date du 16 mai 2021 à Paris sur l'élimination à l'ORTC? C'était sur RFI et France 24. Paul Kagame a affirmé qu'il n'y a pas eu de crime. Absolument pas. Chez nous, à l'RDC. Qu'est-ce que vous en dites en tant que leader du pays pour que le peuple congolais puisse trouver la justice digne de son nom? Que ce dernier soit un dieu de la confirmation de ce crime qui lui-même était acteur principal dans les années 1996-97-98 jusqu'en 2003, particulièrement les pillards et qui ont déstabilisé à profondeur la région frontalière de Kivu à l'RDC. Merci. Pour la province du Kivu, si nous sommes appuyés par les collègues des autres provinces,
je pense que ça peut faire du bien et ça peut faire avancer cette honorable Cassilemo, du groupe parlementaire MS. Et pour plaidoyer au niveau international, moi par contre j'aimerais que l'Assemblée soit édifiée sur les décrets de vos plaidoyers au niveau national et vous satisfait de l'accompagnement que vous avez déjà reçu par les institutions de la République. Qu'est-ce que vous entendez de ces institutions nationales afin d'accélérer le processus et d'aboutir à l'objectif de votre élite qui est d'exiger l'exhumation du rapport MAPI? Voilà un peu la question que j'avais. Merci. Nous accordons la parole à l'honorable Omer Boulakali. Parole, honorable président. Bonjour, honorable député, et bienvenue à son excellence Pignobert, docteur Denis Mukwege, qui est mon confrère, médecin comme moi. Je voudrais remercier d'abord l'excellence Pignobert pour non seulement son exposé, mais pour s'être disponibilisé à répondre à l'invitation de l'Assemblée provinciale afin qu'il nous apporte un plus de son expérience pour la lutte que nous comptons mener pour la province de ce type. Vraiment, grand merci. Et je m'en veux aussi dire que la population, à travers les élus, est en train de se réveiller et de s'approprier la lutte noble que jadis une seule personne portait, mais qui sera portée désormais par toute une population. Et je pense que avec cette lutte, la victoire est certaine. J'ai quelques préoccupations, une préoccupation plus que avoir deux volets. Excellence, prix Nobel de la paix. L'Assemblée provinciale de Jules-Rivaux a traité en son temps, il y a quelques jours, d'une motion incidentielle, à l'issue de laquelle motion et s'est proposé de solliciter vos éclaircissements. Nous venons de les avoir. Mais la motion en question était en rapport avec, entre autres points, des propos, comme certains l'ont dit ici, des propos tenus par le président Rwandais. Ces propos, nous, on les a considérés comme des propos négationnistes et même insultants, injurieux, quand il a nié qu'il n'y avait pas de crime dans notre pays. Et quand il a prêché sur la grande valeur que nous avons dans la province du Sud-Kivu, à savoir le prix Nobel, ça a été avec raison. Il a aussi dit, et là j'insiste, que le rapport MAPI des Nations Unies était contesté en interne comme à l'extérieur. C'est révoltant aussi. Certains d'entre nous qui travaillent désormais sur cette question, l'excellence, honorable, c'est la question. C'est la question maintenant. Comme certains d'entre nous qui commencent déjà à travailler sur cette question, dans le sens d'exiger la création d'un tribunal pénal international pour la violence. À quel niveau, nous voulions savoir, à quel niveau en êtes-vous avec le plaidoyer, parlant du niveau international, et là où ça bloque, nous voulions savoir là où il y a quoi pour que ça n'évolue pas. Et qu'est-ce que la population du Sud Kivu, que nous représentons ici très valablement, peut apporter comme soutien afin que le niveau international puisse accéder à notre demande de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Merci beaucoup. Bouli Mundu, Augusta
Serge Olimoutou, élu de la circonscription électorale de Chabunda. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Excellence, Docteur Denis Mukwege, prix de la paix 2018. Nous nous excusons d'abord de t'arriver à l'État, je ne sais pas, pour ce difficile de la province, de la République démocratique du Congo, parce que j'ai travaillé au défi, si on peut acclamer encore deux fois pour ce difficile avec le Excellence, docteur, nous avons mené des préoccupations par rapport à ces problèmes. Nos préoccupations sont celles-ci. Dans Madame Natal, de Chabunda, comme on a eu à présenter, on nous dit toujours que les jours qu'un sorcier meurt dans un village, au même moment, un autre sorcier va les jouer. Ma préoccupation est celle-ci. Honorable docteur, excellent docteur, j'ai toujours attendu par la part médiatique d'autres acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, qui sont dans la même lutte que vous. J'allais poser la question, est-ce que vous avez eu le temps de vous mettre ensemble avec ces acteurs et de donner un jour votre successeur. Je ne souhaite pas aujourd'hui votre mort, mais après vous, un autre prix Nobel de la République démocratique du Congo deviendra. Deuxième préoccupation, excellent docteur. Votre notoriété a dépassé les frontières de la République démocratique du Congo. Cependant, vous êtes tellement au service de l'hôpital général de France. Au lieu de prendre en compte toute la province et de mobiliser les fonds pour votre province, pour votre structure et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo. Docteur, je vous remercie pour mes petites préoccupations. Je pense qu'il vous aura une bonne réponse. Oui, exceptionnellement, nous allons accorder la parole à l'honorable Benoît. Le professeur docteur Denis Mukwege, nous n'avons pas de thème à la hauteur notre joie en recevant dans l'hémicycle. Mes prédécesseurs m'ont déjà dit que la fierté de notre province de Kivu, du pays, du monde entier, mais je voudrais insister que vous faites surtout la fierté de nous les chrétiens. J'avais deux questions, mais avant d'y arriver, j'ai eu un petit regret parce que je me suis dit pourquoi nous n'avons pas pu inviter le docteur avant. Parce que si nous l'avions invité avant, il y a des problèmes qui auraient pu être évités. Ma première question a déjà été posée par les collègues. Je vais à la seconde. Eu égard aux multiples infiltrations des hommes en armes et surtout les affrontements signalés à Calais, à Nyengwe, et ailleurs. Ne réinvitez-vous pas des nouveaux actes de viol et de violence contre les femmes? Sinon, quelles sont les articulations préventives de votre discours et exhortation à l'endroit de la communauté internationale
du gouvernement congolais et particulièrement à notre armée pour que la paix soit une réalité dans cette région. J'attire par quelques recommandations, M. le Président. Honorable, honorable, je n'ai pas de recommandations. Oui. S'il vous plaît, regagnez votre place. Je vous remercie, Président. Recommandation qui est recommandée. À la première. Oui, honorable, j'ai venu pour lui. Nous savons qu'aujourd'hui, il est très praticable. C'est à féliciter. Mais quitte à aller pour l'hôpital des anciens, il y a lieu que le malade, qui pourra vous être sauvé, peut mourir même avec le délabrement avancé de ses tours. Le docteur Moukoli, comme j'ai appelé le télévoyer partout, il est important qu'on puisse passer, on sait des effets très nécessaires, parce que ça pourra avoir aidé d'aller plus loin. Et pas seulement pour soigner, mais aussi prévenir. Prévenir et guérir. Merci. Merci. Nous allons permettre à son excellence docteur Moukoli de pouvoir répondre.